on est en grève aujourd'hui, les enseignants de Saint-Denis, de Saint-Denis, voilà, pour protester contre le projet de décret d'évaluation des enseignants et particulièrement sur les suppressions de postes. Donc voilà, on est très concernés dans notre département. Dans le premier degré, on perd 39 postes l'année prochaine, plus tout ce qui est en train de tomber dans les collèges et les lycées. Donc voilà, on essaye de mobiliser localement et cet après-midi, on part à la manif nationale à Paris. Nous combattons contre la mise à mort du service public d'éducation parce que Sarkozy, Fillon et Châtel dégradent le service public d'éducation. La note, c'est 3.0 pour le service public d'éducation. Aujourd'hui, nous subissons 39 suppressions de postes dans les écoles de Seine-Saint-Denis, alors que nous allons accueillir 2250 élèves de plus. Sarko, Châtel, rendez-nous nos budgets. Votre crise, on ne va pas payer. C'est un choix gouvernemental, à la fois budgétaire, puisqu'il décide de supprimer 14 000 suppressions de postes dans l'éducation, qui fait un total de 80 000 depuis 2007, mais c'est aussi un choix idéologique. Il passe éducation au cachet, pas question de laisser faire. Il réduit les salaires, noir à cause de ses guignols. Il ferme les écoles, il réduit les salaires, noir à cause de ses guignols. Cacheux qui veulent casser l'éducation, les parents répondent. Y en a marre de la galère. Y en a marre de la galère. Cette école de la sélection, nous n'en voulons pas. Nous voulons une école du peuple, une école pour tous, une école du progrès. Et donc c'est pour ça que nous battons aujourd'hui dans la rue, avec les parents d'élèves, avec les citoyens, pour défendre le service public d'éducation, pour que l'éducation redevienne une priorité. Donc pour nous, Sud Éducation, c'est priorité à l'éducation, pas aux agences de notation. Dans tous les quartiers, dans toutes les régions, en même droit à l'éducation.